Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Joune jodi a, Haïti rive non kafou ke personne pa konnen ki sen pou yore le tellement misè insécurité a kidnapping nan ap vale terrain. Mais mesdames, mademoiselles et messieurs, m'ap rappelé ke pays sa, c'était youn nan koloni ki te pi bel, ki te pi riche, gen moun ki même fè konnen ke Haïti c'était l'appel des Antilles. Pour faire konnen ke, le yo a envie zone dans la ri, et bien li te gen chè sou li nan jou passé. Nan ka sa, ki sa k pase? Depuis après indépendance, eh bien toujours gon groupe moun ki satisfait, yo lot groupe moun même yo pa jam satisfait, yo toujours ap manifester, yo toujours nan la ri après les secours. Ki sa k pase? Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour qui ça pays d'Haïti malgré tout aide li jwenn nan men l'autre nation li vin pi pov? Ki sa k la cause et bien pays d'Haïti li même vin état ça? Quand même toujours gagner un petit bouton qui mène maling. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, m'bral expliquer ou eba ou toute vérité de qui ça la cause journée jodia pays d'Haïti li même li pauvres nan état ça. Rale ti chèz ba ou chita confortablement, m'bral bo tripota yo nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore l'autre fois m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou ak patience ou merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore l'autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Maintenant, nous avons eu chance de présenter un petit compte ça qui c'était Jeune Jean Broder marché à Rebord Chemin. Eh bien, réponse là, c'était Jim Machette. En pile fanatique, te prends sans yon, prends tant yon. Commentez, ça fait plaisir en pile en pile. Nouveau compte que vous avez, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, papa m'allait dans le marché, l'acheter yon tête bœuf pour tête de kon nan seulement. Pas hésiter à quitter réponse pour là dans commentaire là, ça fait nous plaisir en pile en pile. Sans perdre du temps, m'a vide déjà coûte moins décharger ça me porter pour nous et péter courir rapide à continuer bousquer bon genre information, râler histoire, râler mené vini pour nous capable comprendre tout bon vrai qui ça cap passer dans pays d'Haïti journée jodia et qui ça nous t'a supposé faire pour nous retirer tête nous dans ça nous est journée jodia tout. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en Haïti, dans moment, nous toujours prenons plaisir pour nous voir Toya, Youn sous l'autre, sous prétexte, c'est lui qui la cause misère, nous. So, j'aime toujours dire, nous, yon pep qui pas qu'on histoire, toujours condamné pour le revivre, lui. Eh bien, c'est ça qui a passé jour et jeudi, encore, dans le pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, jour et jeudi, à la même, manifestation, t'es dans le quai Port-au-Prince, après les abats insécurité, abats la vie chère, abats misère, abats Jovenel, abats constitution, tout ça, tout ces abats, abats, yon pas jamais capable les vivre. Mais qui ça passe? Donc, est-ce que nous songeons, eh bien, gagnons l'argent Haïti, te payer la France comme dette de l'indépendance? Est-ce que vous te connaissez tout? C'est à cause de l'argent ça, qui c'est raison fondamentale qui la cause que pays d'Haïti n'a état ça. Et depuis l'elle te fin baye l'argent pas caché d'où, Haïti vient passer comme pays qui appauvrit plus dans la planète là. Parce que imaginez tout d'un coup, pour lever 150 millions de francs ou remettre un pays, ou craser, ou ruiner l'économie pays ou là, juste pour capable faire plaisir, juste pour capable dédommager. Donc, qui soit te comprendre ou t'appralier dans le jour à venir là, c'est comme si c'est dans l'esclavage ou tourné. Bon, m'explique qui j'en s'était passé parce que c'était sous président Boyer. En octobre 1820, roi Henri Christophe lui-même li mouri, n'a pas songé, les Christophe de là, li pas jamais accepté dossier d'être indépendance ça. Eh bien, il te fait, blanc français qu'on est, sous besoin de PO, eh bien, vin camper nous bataille encore, ou à vin toucher, parce que c'est quand même de camper bataille ensemble avant, eh bien, ça fait d'être payé d'être ça, eh bien, retirer ça dans maille, ou retirer ça dans brin ou monsieur le blanc, ou pas vin faire ça par Boris ici encore. Mais où qu'on est, tout le monde pas gagné même capacité, gagné monde qui toujours souffre dans chou. En comprendre. Et puis, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous connaissons le pays, à tout le divisé en trois parties. Donc, dans ce sens, le cabinet Boyer, ça le fait tout profiter moment après Christophe fin mouri, sous prétexte faut qu'il dédommage grand colon blanc qui perdit esclavio. Pas oublier chaque colon blanc dans le pays d'Haïti, chaque grain colon blanc, oui, pour pipiti, on a gagné 10 esclaves. Et ça pas suffit. Temps en temps, yon retourne en Afrique, eh bien, yon allé chercher encore. T'es gon commerce triangulaire qui t'a fait dans le monde. Eh bien, là, yon allé en Afrique, qui ça yon poté en Afrique? Comprenez bien, oui, ça qu'a passé journée aujourd'hui. C'est depuis longtemps, ma moutre yon va jamais remen ouvrir. Tendez bien. Parce que,
Le yon sorti en Haïti, yon allé en Europe, yon pote sucre, yon pote canne, yon pote sucre, yon pote café, yon pote cacao, yon pote tout ça, et bien, esclave yon travaille dans le champ, dans le pays. Et puis, le yon vè dans le pays, yon sa reprend, yon prend alcool ensemble avec zam, yon traverse en Afrique, yon remet et puis yon prend moun, yon vin tourner dans le pays d'Haïti. Est-ce que vous comprenez la situation? Mesdames, mademoiselles et messieurs, ça n'a pas vivre journée aujourd'hui, c'est bagay qui écrit depuis 200, 300 ans, c'est yon qui a suivi nous qui fait ouais, nous pas jamais qu'à mettre tête nous ensemble pour que nous capables régler un bagaille sérieux pour nous régler dossier pays tout bon vrai. Comprenez bien. Qu'on y a là, voyez lui même li dou li prend ça comme prétexte fol et dédommager colon blanc yo à cause yo perdit jardin, yo perdit terre, yo perdit esclave pendant bataille pour indépendance là. Nous ka comprendre nous pas moun parce que si boye ka gen fou ki ka gen cran pour le dire qu'on ça le pral dédommager colon blanc qui perdit terre, qui perdit esclave, qui perdit jardin, yo, et nous-mêmes, yo, t'as supposé payer nous trois fois la valeur, parce que, nous pas pas Borisite, yo, allé chercher nous juste en Afrique. Les ovini, yo, maltraité nous, yo, touillé nous, yo, fait nous travail la tête, dit, pour nous enrichir, et après ça, nous-mêmes encore pral le travail, pour que nous baillons l'argent, pour aller régler cause sous prétexte, n'a pas dédommagé à cause, eh bien, yo, pas de reconnaître que nous, son peuple qui est indépendant. Donc, nous capables de comprendre, c'est depuis dans tant longtemps, tu n'es pas bon ici, toujours à pas acheter figue blanc. C'est pas jour et jour d'y a nous, donc, il a préparé coup d'état, et puis, il a cherché un figue blanc pour y mettre parce que y'a qu'on est blanc, qu'on importance dans les yeux, wow. Y'a qu'on est blanc les mêmes, qu'on respect à pas pour lui. Donc, nous capables de comprendre qui ça a été fait, eh bien, et du coup, ça le dédommager les blancs, les colons français, eh bien, ça le fait. Les doux comme ça, à cause, yo te perdit jardin au fond des dommages. Des dommages, yo, pour qui ça boye? C'est boye qui mette nous dans situation ça, oui. Comprenez bien, m'gal expliquer nous, piba. Parce que, si nous fin verser sans nous, yo fait nous redidi, yo fait nous travail. Et le pire encore, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça au fait, yo vin avec paix, pour faut comprendre que ou pas fait pour tes moun normal, et bien, ou te fait pour yo utiliser ou, pour travailler la terre. Et non seulement ça, tout, ou là, pour marcher sous zone, c'est ça que faut en Haïti jusqu'à présent, ou pas toujours, ouais, l'école congrégale, malgré au chien dans niveau au chien, l'état pas quand même payer professeur pour travailler dans lycée et tandis que l'école congréganisio yo paye cher, l'état toujours subventionné. Ça qui passe, faut qu'a poser tête aux questions pour demander côté bagaille ça sorti pour qui ça yo toujours gagne plus terre, pour qui ça yo toujours gagne plus bel espace, pour qui ça offrir un plus bon éducation tandis que petit monde qui dans lycée même qui c'est petite malheureuse malheureuse l'argent yo paye parents yo travaille dit pour payer taxes dans l'état, et bien c'est monde ça encore yo fournisse ou pas jambe poser tête aux questions pour demander qui ça pralé, on continue. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, en 1825, Boye lui-même li accepté ordonnance Charles X, à l'époque qui c'était roi la France, qui exigeait moitié nan droit la douane gagné sous bateau français yo. Elle a payé un total de 150 millions de francs en reconnaissance d'être de l'indépendance là. Pour boire et payer comme ça, c'est pas un petit bagage qui petit, c'est tranche par tranche si t'as obligé bailler l'argent. Première tranche, mesdames, mademoiselles et messieurs, l'été un total de 30 millions de francs. Donc, Boye a signé un contrat avec la Banque La France qui c'est Gandolf ensemble avec si, à un taux de 6% par année. Mais la banque lui-même est capable de prélever intérêt yo ak frais gestion yo, ça c'est une. Dans ce sens, ça, gouvernement Boye a joué seulement 24 millions. Yo pral obligé compléter pour bail premier tranche comme là. Donc malgré toute intervention ça a été fait, yo pas de cas joindre 30 millions de francs pour yo te payer premier tranche comme là. Ça c'est une. On continue. Non ça 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 Boye fait. Li oblige vide trésor public là, vendre ruine économie nationale là, et nous connaît à l'époque économie nationale là qui salte, c'était agriculture. Agriculture, c'est café, cacao, canne, coton, c'est ça yo te gagné. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, faut que nous comprenions, c'est pas journée jodi à nèg a vide et trésor public. C'est pas journée jodi à nèg a vendre ça qui pour l'État. C'est pas journée jodi à tout, y a vendre lion palais de justice, c'est pas journée jodi à tout, y a volé l'argent l'état, c'est depuis dans tant longtemps, donc ça juste était une pratique pour yo, temps en temps, donc y a augmenté, temps en temps, et y a volé plus, temps en temps, donc système y a changé, c'est vrai, mais c'est toujours même moun, c'est toujours même viré ou an, rete là, pas gagné, qu'a changé sous soleil, qu'a levé chaque jour dans le pays d'Haïti. Comprenez bien. Y a là, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour comprendre ça qu'a passé journée jodi à dans le pays d'Haïti. Dans la deuxième moitié du 19e siècle,
Dirigeant pays a sacrifié ti paysan yo et travailler agricole yo pour capable joindre deuxième tranche l'argent qui c'était un total de 76 millions de francs. Donc Haïti fin payer dette ça en 1946 après deuxième guerre mondiale. Nous songe c'est dans l'époque ça, et bien guerre mondiale lui-même l'a frappé. Et même moment li tout vin pays qui pi pauvre dans planète là. Donc c'est pas petit bagaille qui petit. Imaginons pour lever tout l'argent ça pour remettre ton pays et qui l'ont fin payer ou commencer payer depuis en 1825 ou fin payer en 1946, comprendre bien. Kounya là, imaginons ou t'es forcé ti paysan travail bien dit. Ou t'es forcé comme si promener tout côté pour capable compléter vendre tout si ça le gagner pour le compléter pour aller qui ça pour aller remettre yon pays qui t'a passé le misère yon pays qui prend le cal chercher dans habitation le vin déposer dans l'autre bout de faire le travail dit battre li maltraiter le faire comprendre que le pas moun malgré le bataille il verser sang pour que li vin indépendant qu'on y avait dit ou qu'on l'argent pour le payer encore. Donc je ne dis à mesdames, mademoiselles et messieurs, car d'après toute aide, tout pays, Union européenne, disent dat tout a vin vide aide dans le pays d'Haïti, rien pas qu'à changer. Son bagaille yo fait en tout, son bagaille comme si yo bien planifié pour que le pays sa li même, li style rete jan li a la. On continue. Donc, là que Boye li même fin force ti paysan yo, travail la te pour capable jouer comme pour payer d'être indépendant la, qu'on y a là, respect à quoi ça vin ouine économie pays ya, et mettez toute petite dessaline à genou plate. Donc, tout noir paysan qui tap travaille la terre yo, si yo vin pas à l'aise, et non seulement ça tout, yo ap travaille seulement pour payer colon français, ak bourgeois et puis milatio, et puis yo même yo style pas qu'à manger, ça veut dire yo vin payer dette de l'indépendance ça, yo vin payer dette ça deux fois, parce que, nan cérémonie bois caïman ça c'est youn, et non seulement ça tout, nan bataille des vêtiers ça c'était deux, sans yo koule kounya la, yo vin redidi encore travail pour repayer l'argent ça encore. Nous capable comprendre, qui situation moun sa yo même yo ta vive et qui sa situation sa vin fait pays d'Haïti vin tourner journée jodi a. Donc ça qui pral passer habitant sa yo, yo pral obligé quitter ville province pour yo tout vin combler ko yo nan Port-au-Prince, c'est pas journée jodi a ou et yo vin rete nan Port-au-Prince. Et ceci lò kontre yo chaque jour nan manifestation, yo pa ka paye kay, comprendre bien oui, yo pa travay Port-au-Prince. Yo pa ka paye kay, yo pa ka manger, retour nan province, non yo pa pralé. Ça qui passe. Et tandis que la kayo toujours gen manger, toujours gen banane, toujours gen bok, quand même yo capable jouen pou yo consommer. Ça qu'arrive ou pas gen gros l'argent nan mon pour faire gros manger, mais quand même ou pas capable jouen de trois têtes chou, ou pas capable jouen de trois graines pommes de terre, ou pas capable jouen un petit carotte, quand même ça y a getan passer grand goût, quand même ou a getan soutenir en attendant fin fait travail ou gen pour faire pour que ou capable jouen l'argent pour manger puis gros manger. Mais là Port-au-Prince qui sont a fait, eh bien c'est facile, ou à rentrer dans voler, ou à obliger faire l'autre là, mesdames, cap capé sous trottoir, yo. Ça, c'est deux, et non seulement ça tout, ou à obliger, joindre yon moun qui pour boire zam, qui pour boire balle, théorise non sens, juste pour dou, eh bien, c'est au qu'faut ça, c'est au qu'faut dit, c'est au qu'faut date. Donc, c'est pas journée, jour, dit à ça à répéter, et c'est depuis dans tant longtemps, ou ça t'est qu'on passé. Et le pire, ça qui comme si vin paraît dérangeant dans l'histoire, c'est que, malgré dirigeant nous journée jodi a comprendre ça qui a passé dans pays a bien, et ceci ça c'est depuis dit d'entendre t'a répété, mais pas jamais créé un moyen comme si pour prendre responsabilité ou pour gérer dossier pays, pour quitter dossier personnel yo. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui vient passer, moun yo quitter ville province vin rete Port-au-Prince, et puis après un petit temps yo pral commencer prendre bateau la gueo nan Amérique du Nord, et non seulement ça tout la gueo nan paquet anti pouwe si yo te capable survivre pouwe si yo te capable joindre la manjaille avec ça qui a passé journée jodi a. Et jusqu'à présent mesdames, mademoiselles et messieurs, hier à grand étonnement, et bien gagnon l'autre avion qui débarqué en Haïti qui déporté yon équipe moun. Nous connaissons donc depuis sous camp, depuis dans campagne, nouveau président américain Joe Biden qui c'est 46e président qui ça le dit, il te promet que la baye moun qui t'a vive sous TPS yo papier. Donc moun sa o te pense que au bras yo fin rive dans ciel puisque Biden lui même parlait pour yo. Mais attention, malgré autant de chomp li même t'a baye toute pression ça yo, pas de quantité déportation ça qui t'est faite sous mandat chomp là, tandis que sous Joe Biden divers qui est arrivé dans pays d'Haïti, nous capable comprendre tempérament démocrate là ensemble avec républicain.
Mais malgré ça, haïtien pas suspend quitter pays yo traverser aux États-Unis. Donc journée jodi a divers nan yo a quitter pays Brésil, fait 4 pays, 5 pays a traversé à pied, fait 3 mois en route juste pour capable atterrir aux États-Unis. Jean moun yo kon dil pays tonton Sam côté l'état miel a couler sous la terre béni. Donc en ce sens mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est ça qui toujours a répété jusqu'à journée jodi a pas jamais gagne une entente qui fait parce que mulat ensemble avec noir. Et puis après indépendance, eh bien, yo te still toujours abgoumé pour qui ça? Pour pouvoir. Qui ça que la cause de Saline mouri? C'est pouvoir. Eh bien, qui ça que la cause pays à lui-même? Li toujours dans même situation, toujours dans crise ça? C'est cause politique, c'est cause pouvoir. Donc, si monsieur t'a réglé une cause normal pour pays, moi, pense que c'est important pour que yo retourne dans ancien temps, pour yo comprendre qui ça que t'a passé, pour yo dire, ah, monsieur, c'est à cause tel bagay qui capable, qui t'a fait papa nation a mouri dans l'état ça. Donc nous même cap vini derrière mes amis, tant pris en prend conscience de l'état nous pour nous chita, pour nous parler, pour nous capable comprendre qui ça nous doit faire, qui est-ce qui bon ami nous, qui est-ce qui ennemi nous pour nous capable identifier tout bon vrai. Parce que y a pas qu'un pays journée jodi a qui faut comprendre qui a ba ou aide, y a ba ou dis, y a ba ou da. This is BS. Donc oui, y a ba ou aide la vraie, mais qui ça aide la rapporter? Imaginons pour un pays vini l'abdou aider Haïti monter économie. Économie nan qui ça? Pendant que vous voyez combien de tonnes de diri sorti dans le pays ou là, vin dans le pays d'Haïti, pendant que vous voyez combien de tonnes de blé sorti la caillou vin en Haïti, pendant que la caillou c'est li kap bay rad, c'est li comme si pile pepe kap débarqué dans le pays d'Haïti. Donc, tout jeune qui sorti la caillou c'est dans le pays d'Haïti au débarqué, et pour dire moi, aider l'économie à avancer. Stop aider l'économie à avancer. Diri kap sorti la caillou, faut te gen patience, faut te gen courage, pour te capable stopper. Kou n'y a l'or stopper, qui sa que t'as pral fait, et bien, kou n'y a moun yo t'as gen nécessité pour yo tourner dans le champ yo, pour yo travailler la terre, pour gen bon gens, structure qui mette là, pour yo capable planter, pour yo faire manger, kou n'y a là, sa que t'as pral passer, ou même moi, vendre moi même m'ap vendre nous. Kou n'y a là, nous t'as vignon partenaire, nous yon tap échangé ensemble avec l'autre. Mais laissez ou seulement qui chita la kabom et puis ou plaigné pour problème sociopolitique, pour problème économique. Ou est c'est fait quoi fait, ou est c'est dans teinté ou passé pays. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, raison qui la cause dollar américain pas ka stable dans pays. Donc si l'état te vle, il était capable faire ça. Il était capable faire le stable. On prend par exemple. Eh bien, à cause que Haïti lui-même gon paquet importance dans yeux les États-Unis, malgré autant de milliers nous comme ça, malgré autant de République Dominicaine ba vle nous comme ça, c'est yo kon importance, yo connaît ça nous ka faire mais yo pas respecter ça. Et si Haïti lui-même il t'a dit, la plaie vont mater, couper fâché tout bon vrai ensemble avec République Dominicaine ba caché dou, y a des problèmes pour la vie parce que you nan moun ki fait revenir plus li rele haïtien. Et ceci, m'koué haïtien, Haïti, c'est deuxième pays qui a acheté plus en République Dominicaine. Est-ce que nous capables de comprendre qui est important ce que nous gagnons pour eux? Et non seulement ça, tout nous aider au faire l'argent, nous enrichir l'économie, nous bailler au Mendev, gon paquet de chance, haïtien qui a travaillé là-dedans, nous capables de comprendre qui est tout important ce que nous gagnons envers eux? Et ceci, yo pas respecté ça. Donc, si on matin tout haïtien décide de rentrer la caillou, vin travailler la terre, dit pas fonctionner avant avec République Dominicaine encore. Franchement, des côtés objet d'esclaves en 21e siècle ça pour mettre dans champ yo puis au travail. Est-ce que nous capable comprendre phénomène là? Donc si pays a ta produit, eh bien Haïti signé un contrat ensemble avec les États-Unis. Pour 25 ans, dit eh bien dollar américain a prêté 50 good. Kounya là, quitte comme si économie ou bien non sens produit agricole mwen yo baissé, kounya là ou pas ka di mou pou pral monter l'argent puisque nous te si yon akon. Quitte tout pam nan monte ou pas ka di ou a baissé à cause nous te si yon contrat là ou ta pouwe que dossier dollar ka pe de varia li ta vin rive nan moment li stable. Et ceci, l'État haïtien lui-même t'a capable tout bon vrai prend contrôle situation. Donc journée jodi a tout autant nous pas prendre sans nous prendre temps nous chita sur une table pour nous parler pour nous gérer dossier pays. Ti groupe ça fait manifestation, ti groupe ça fait manifestation pour qui sont pas connait juste pour voir qui est un haïtien pareil ou juste parce qu'on pas vle ouais un haïtien pareil. Donc moi pense que nous arrivons dans un moment pour nous prendre une autre dimension et non seulement ça tout pour nous faire l'autre réflexion sur la vie nous et sur la vie pays, sous santé pays. Pays qu'en besoin et bien c'est journée jodi a même pour nous
commencer construire dans futur dans jour cap venir là dans année cap venir et bien pour nous capable récolter yon Haïti qui meilleur parce que passé ça n'a vivre journée aujourd'hui et pour ça fait faut grand pile sacrifice qui fait et non seulement ça tout faut que nous pas gain ken en main puisque de pour gain ken en main et bien j'en des résultats ça yo ou pas ka joindre et bien mesdames mademoiselles et messieurs c'est toujours un plaisir pour me passer informer et faire comprendre réalité et bien pays d'Haïti qui sac la cause journée aujourd'hui que nous arrivé dans niveau ça m'a fait connaître que maman père Anel Jean-Joseph est libéré. Donc hier jeudi ya donc nous connaît bas 400 maro zo te prend 10 moun et bien yo lagé maman paye seulement malgré yo ba yon total de $50,000 américains donc pour le moment toujours était 5 prêtres yo nan men yo des religieuses yo ensemble avec des l'autre moun et bien qui style toujours était nan men yo et bien malgré yo ba $50,000 américains et bien yo pas décidé libérer moun yo tout moun yo rete nan men yo et pas oublier yo te mande yon total de 1 million euros pour yo capable libérer moun sa yo. Donc mesdames mademoiselles et messieurs dossier fait manifestation c'est pas journée jodi a ça fait donc c'est au moins chita réfléchi pour nous capable joindre une solution et non seulement ça tout pour nous capable sortir avec un bon plan pour que nous dit mais ça n'a fait dans 5 ans mais ça n'a fait dans 10 ans mais ça n'a commencé faire journée aujourd'hui parce que faut que nous fini avec solution facile faut que nous fini avec comme si green comprimé pour mal tête ça tandis que puis devant qui pral ba nous et qui pral faire nous faire stroke qui pral faire 20 têtes nous péter donc journée c'est depuis journée jodi a pour nous gérer dossier tension ça qui pas suspend augmenter dans pays d'Haïti puisque pita capritrice n'a fait place à voix de l'Amérique presse information nationale et internationale n'a tourné dans un petit temps qui pas trop long gros nouvelle mon amyo bienvenue c'est sous tax 609 ou connecté n'importe côté où y est depuis où c'est haïtien ou doit compte toute sa cap passé en Haïti ou à l'étranger pas oublier abonner commenter liker partager vidéo à pour travail là capable avancer zami pao fouko madame messieurs bonsoir ici Jacqueline Belizère depuis studio 18 la voix de l'Amérique dans Washington, c'est rendez-vous info cap entrer la carrière, un programme en langue créole haïtien, c'est pratiquement dernier sotino pour ce maintenant, jeudi c'est vendredi 16 avril 2021. Nous comptons comme d'habitude avec pour nous présenter au programme ça en langue créole haïtien. Nous pral d'abord dans pays d'Haïti, c'est actualité à cap nous là d'abord. Et ben membre l'église catholique tant qu'on te dit l'en grand titre là toujours dans main ravisseur yo. Yon dizaine environ parmi yo 5 prêtres, 2 religieuses qui c'est mon pays la France. Mais 24 heures, yo toujours dans mes ravisseurs, 24 heures après que l'église catholique t'ait réalisé messe dans divers diocèses que yo gagné dans pays a pour yo mandé yon fin dans phénomène insécurité pour yo mandé fin dans kidnapping et pour yo mandé yon changement définitif dans pays a. Et puis n'a pas signalé que au lieu de Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui était célébrant principal dans messe hier, qui était déroulé dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville, c'est plutôt Monseigneur Loné Saturné, qui est président de la conférence évêque haïtien. Et dans l'occasion, il a dénoncé le kidnapping qui a fait dans le pays et il a demandé libération tout membre communauté et communauté catholique là, qui n'a pas. Et d'abord, nous pourrons aller avec le président Jovenel et Moïse en vogue. Nous pourrons aller d'abord dans un membre de la diaspora, parce que le président Jovenel Moïse parlait de monde dans la diaspora. Il voulait ouvrir un espace dans la Constitution, d'après ça, il dit, pour être capable de gagner voix au chapitre. Nous avons un membre de la communauté diaspora haïtienne dans New York, qui c'est Junior, Joseph Junior. Et Joseph, Jean-Joseph Junior, qui est un spécialiste dans la question communication et technologique. Bon, nous avons parlé maintenant de Jovenel Moïse, qui dit même mandat fini depuis 7 février 2021, dans la logique constitution 87 amendée, c'est un ancien président. Maintenant, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de député, il y a seulement 10 sénateurs. Maintenant, oui, c'est vrai que PM Jude-Joseph Kazirak, c'est PM Claude-Joseph qui l'a par intérim. Et selon la Constitution, PM Claude-Joseph l'a pour 60 jours. Donc son PM par intérim.
Maintenant, diaspora est très fâché qu'on ait sécurité. Diaspora parle de ça en Haïti. Et PMI Claude Joseph, c'est un vrai petit diaspora. Il connaît diaspora très bien, puisque il étudie la donnée, parce qu'il a passé plus de 10 ans là-dedans. Maintenant, nous croyons que DG Léon Chaltou, c'est toujours un petit diaspora, un vrai camarade diaspora. Il connaît diaspora très bien, il connaît psychologiquement, on ne parle pas de ça. Maintenant, ce n'est pas un référendum qui nous intéresse vraiment, qui déjà son échec, parce que selon toute communauté internationale, là, il n'y a pas quoi que le référendum a un succès. Et mon guide plus fanatique du référendum, c'est Mme Lalim. Eh bien, lui, il a fait un bac avant hier, il a allé bac, il a dit que bon, ça n'a pas rentré dans tout le secteur. Et bon, bout dans le secteur, tout côté qui voulait boycotter le transfert, il voulait montrer que. Pour forcer Jovenel Moïse démissionner. Maintenant, qui l'a fait? Je ne sais pas, mais il y a un bruit comme ça, une rumeur comme ça qui va le faire que la diaspora lève et campe. Jeudi, nous attendons son jeudi noir. Et encore une fois, on a demandé pour PMI Claude Joseph et Marie Saint-Julie, pour DG Léon Charles, Marie Saint-Julie, et que la population accompagne pour être capable de faire une solution à l'insécurité. Donc, c'est Sam de Bézi, la Voix de l'Amérique. Merci Jacqueline Bélizer de faire côté pour moi, pour demander mon opinion sur poser ça. Merci. Merci Jean-Joseph Junior, Takounoudil, qui est un spécialiste en communication technologique, qui était parlé avec nous depuis New York. Donc, c'est une initiative pour nous capables de diaspora plus la parole pour dire qui ça qui gens vivent ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Et puis dans le pays d'Haïti, toujours ambassadeur Michel Sisson a quitté Haïti après 3 ans li passé comme ambassadeur entre Washington pour aller dans le département d'État côté que pour occuper une nouvelle fonction. Jean-Lionel Demarat a dit nous plus. Président américain Joe Biden nommé ambassadeur des États-Unis en Haïti Michel Sisson nan poste sous-secrétaire d'État pour organisation internationale avec bureau dans le département d'État. Madame Sisson, c'est un ambassadeur de carrière, soit rang qui plus élevé dans le service diplomatique américain à l'étranger. Michel Sisson représentait les États-Unis en Haïti depuis l'année 2018. Avant ambassadeur Sisson, t'es une nomination comme chef mission diplomatique les États-Unis dans Port-au-Prince. Il était servi comme représentant adjoint pays dans l'Organisation des Nations Unies avec rang ambassadeur en 2014 et 2018. Dans le département d'État, ambassadeur Sisson était occupé poste sous-secrétaire d'État adjoint principal pour affaires Asie du Sud. Il était recevoir plusieurs distinctions. Sénat américain doit confirmer choix ambassadeur Michel Sisson comme sous-secrétaire d'État pour l'Organisation internationale avant nomination en vin effectif. Merci Lionel Demarat, mais nous pourrons gagner nos monde qui pourra le remplacer ambassadeur Michel Sisson. N'a pas tourné encore dans l'actualité à ta conférence épiscopale en Haïti Temandel et ben prête à que fidèle catholique dans diocèse Gonaïve te célébré yon messe hier jeudi 16 avril là pour prier pour paix ak yo bandi kidnappé et puis mandé bon Dieu libérer Haïti contre insécurité et généralisée qui gagne tout partout. Mais d'abord, nous pourrons aller dans le département sud-pays, puis précisément dans la ville Okaï, toujours la même actualité ça avec Jean-Ernst Eliska. Après l'église catholique dans le pays d'Haïti, tu fermes l'école et l'université pour être capable de protester contre le phénomène insécurité et kidnapping qui blaye dans le pays. Curé paroisse Saint-Michel Okaï, Père Charles-Joseph Charles, remercier tout secteur qui porte solidarité pour journée. Pendant le fait qu'on est, c'est un geste symbolique secteur a déposé pour dire non à Zach Bandi, a posé dans le temps plusieurs familles pays d'Haïti. Mais l'église là, pour protester contre la situation de sécurité, contre le kidnapping qui a ravagé la société, eh bien, il pose un geste symbolique et significatif dans ferme institution Lyon. Et il est bien content de l'autre monde, l'autre institution qui fait même gens avec lui. Ça montre que ce n'est pas l'église seulement qui est dans le mouvement,
c'est toute société qui connaît la situation et qui mettait ensemble. Et moi, je crois que c'est un grand problème ça pour nous résoudre en Haïti. Problème de clan, problème de secteur. Pas qu'il y a fait secteur religieux, secteur politique, secteur socio-économique. C'est nous tous ensemble, chrétiens catholiques, comme vaudoïsans. Secteur privé, tant que l'État, syndicats, tant qu'ouvriers, qui vous mettez ensemble pour nous dire non à l'impunité, non à l'insécurité, non à l'injustice, pour nous rebâtir Haïti, côté petit nous doit vivre. Militants, plusieurs organisations populaires, pour côté Payo, qui étaient présents dans la messe qui était chantée dans la cathédrale là, déclaré journée protestation te doit durer plus jours. Nous venons là, nous venons supporter le mouvement et nous continuons à supporter l'initiative. Là. Et nous demandons à toute l'Église catholique, ce n'est pas une initiative pour prendre aujourd'hui, pour prendre une décision pour aujourd'hui, pour avoir une libération et paix, meilleur et puis tout le bagage est fini. Non, c'est une décision qui vous prend pour nous libérer le pays à des gangs, des bandits, des criminels, des assassins, des kidnappés. C'est une décision qui vous prend pour une fois pour toutes pour nous finir avec le banditisme dans le pays. La population haïtienne, c'est nous pour prendre ces noms. Le Christ catholique, c'est ce que nous ne pouvons pas faire. Chaque jour, nous avons un médecin, mais nous avons un père. Mais il est militant parce que nous tous nous avons que toute population haïtienne est un seul perso. Nous disons nous-mêmes en tant que militants politiques, nous-mêmes en tant que l'opposition, nous ne sommes pas bon. Et nous disons nous contents parce que l'Église catholique réussit ce plein silence. Depuis que nous avons fait des ça, si l'Église catholique est à nous, peut-être qu'on va être privé pour nous là. Si aller dans la ville de Kay, journée jeudi, l'école, l'université, le commerce, la banque, les états-portes sont fermés. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, au CAI. Merci Jean-Ernst Eliska d'avoir quitté le CAI et d'avoir retourné. Gonaïve, dans la Cité Indépendance, tant que nous t'es annoncé avec correspondant nous, Exalus Mergena. Jean, conférence épiscopale Haïti a demandé ça. Yon messe te célébré dans la cathédrale Gonaïve là jeudi 16 avril là pour demander changement dans le pays à libération. Plusieurs prêtres, l'église catholique ak sœurs, bandits kidnappés dans la commune Croix des Bouquets dimanche 11 avril passé. Mais ça, c'est occasion pour prêtres et fidèles, l'église catholique yo prier pour le pays. Dans l'homélie circonstance li, diacre Watson Vertilus mandé pour za kidnapping ak insécurité qui pas suspend si men dey nan mitan fami haïtien nan kaba nan peyi a. C'est pour changer de situation qui a suivi des clients, c'est pour protéger nous, c'est pour protéger tout le monde en relation. C'est pour protéger le frère de l'homme, à ce de c'est pour faire le sentir en confiance à ce que plusieurs centaines fidèles de l'Église catholique et membres dans la société civile là, pas de manquer rendez-vous ça, même Jean Pretio. Yo di ap tann gran met la libéré peyi a ak pè et puis sœurs catholiques yo ki nan men kidnapè yo. Exalus Mergena, Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Merci Exalus, qu'on y a nous pral nan Fort Liberté toujours nan question solidarité avec l'Église catholique k ap mande libération moun ke kidnapè yo mete men sou yo jusqu'à présent. Eh bien, membre communauté catholique, ça y est, yo nommé ravisseur. Nous parlons de reportage de Jodelet Junior Saint-Ville qui fait nous connaître que, eh bien, Fort Liberté tout, lui-même, il était entré dans pour porter solidarité. Après bandit et fin kidnappé 5 prêtres, 2 sœurs et 3 laïcs catholiques parmi les 2 Français, évêque catholique dans le pays d'Haïti, dans une note qui publiée, demandé pour toute institution catholique, ferme porte yo, et puis tout pour toute paix et fidèle paroisse sur tout territoire. Chantez yon messe jeudi 15 avril 2021 à midi. Et c'est pour toute cloche l'église ap sonne en même temps dans même l'air. Yon façon pour mander bon Dieu libération pour pays ya. Pour tout moun yon kidnappé yon. Dans ville Fort Liberté qui gagne 2 paroisses, cathédrale ak délivrance,
réalité a pas de département à Crespeya. Père Ronald Michel, vicaire paroisse cathédrale là, dans prêche-li, te mette accent sur raison qui fait, c'est dans l'heure ça, mais spécial ça, chanter. Révérend Père Ronald Michel. En ce plein midi, nous rassembler ici là pour nous capables de la prière, bon Dieu. Pour qui ça c'est à midi nous choisir? Moi-même, t'as seulement répondu pour me dire, l'homme se situe dans le temps et dans l'espace. Comme ça, tout le café, même ça, à 10h du soir, à 11h du soir, dans l'heure qu'on voulait. Mais comme le soleil est bien chaud, je vous dis, le soleil est chaud comme ça, ou sentir la brûler, eh bien, ça doux qui chauffe. C'est une façon pour entendre le soleil éclairé, en tant que le chien a sonné, eh bien, pour nous capables de demander libération pour le pays d'Haïti, pour nous capables de demander délivrance pour tout le monde qui a subi tout problème dans le pays. Bon côté parle, révérend père Jean-Leslie Austin, qui tape célébrer Messe-là ensemble à quelques autres confrères père, t'est adressé directement à Ravisseyo. Jodelin Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Donc c'est même créé à nous bouquet, groupe 400 Marozo, La Gué Mounio. Et donc, ou sous La Voix de l'Amérique, nous pouvons mettre depuis Washington DC, et ou avons suivi un programme en langue créole haïtienne. Moi, content une autre fois encore avec nous. Nous prenons qu'on et retrouver Ronan Toussaint qui lui-même pral présenter nous grand point qui était dominé l'actualité pendant la semaine. Semaine lundi 12 pour arriver vendredi 16 avril 2021, l'ouvri avec phénomène kidnapping et insécurité qui a persisté dans le pays d'Haïti, côté bandits devant yeux la police, a kidnappé citoyens et exigé gros l'argent pour libérer otage. Il y a 11 religieux qui, depuis le week-end passé, n'ont même ravissé. L'Église catholique organise une messe à travers 10 diocèses qui gagnent dans le pays d'Haïti pour demander libération otages pour dire non à kidnapping, à insécurité, à dictature. Monseigneur Loné Satuné, qui est président conférence évêque haïtien, dans homélie circonstance-là, dans l'église Saint-Pierre Pétionville, croit que situation difficile ça doit changer. Si manifestation t'est déroulée devant l'église Saint-Pierre-Pétionville. La police tirait en pile cartouche en l'air avec fait usage gaz lacrymogène pour disperser foule qui t'apprêlé à bas kidnapping, à bas dictature. En pile, leader politique t'est répondu présent, notamment Dr. Reginald Boulos, ancien député Abel des Collines, ancien sénateur Antonio Cherami et divers autres. Ancien sénateur Cherami dit que question kidnapping et insécurité, ça a fait mal. Toutes quatre populaires en otage. Moun belé a mouru. Kay belé a boulé. Moun la saline. Massacré. Jovenel Bajom ferme mon tweet. Activité business yoté marché au ralenti jeudi 15 avril 2021. Côté pompe gasoline à gros business yot pas fonctionné. Banque commerciale yoté ferme potio. Sauf que banque l'État yot qui te fonctionné. Transport en commun a été marché au ralenti avec l'école privée, pas fonctionné tout, toujours contre kidnapping et dictature. Pendant ce temps, ensemble organisation politique opposition organisé 7 tout palais national mercredi 14 avril pour demander président Jovenel Moïse quitter pouvoir. Fois ça, c'est tout ça, c'est pour nous déraciner Jovenel Moïse qui sous pouvoir. Jovenel Moïse il n'est pas président encore, depuis 7 février 2021, d'après la Constitution haïtienne, en son article 134-2A, qui dit mandat constitutionnel, Jovenel Moïse, fini. Président Jovenel Moïse, lui-même, lui dit que c'est 7 février 2022, la première pouvoir, baillon président élu. Docteur Claude Joseph, ce nouveau premier ministre AI, président Jovenel Moïse, nommé en tête
gouvernement après que le Premier ministre, de facto, Joseph Jout, a fini de remettre démission pendant toute parler en plus de fait. Il y a une démarche qui ne peut pas changer rien dans l'actualité politique là, d'après l'opposition. Pas de changement gouvernement, c'est même coup de bâton, c'est même kidnapper, c'est même voler, puisque c'est M. Jovenel qui dit que c'est le gouvernement précédent qui était responsable insécurité kidnapping là, et c'est un membre dans le même gouvernement ça, et c'est un membre encore au même qui l'a. Leader parti politique Haïti en action, sénateur Yuri Latortue, à travers un geste solidarité, fait un don de 1 million de gouttes à la population victime massacre Belayo. Que ce soit Géo avec enveloppe yo, non valeur de 500 000 gouttes, tout. Que ce soit provision alimentaire yo, yo disponible de 500 000 gouttes, ça fait 1 million de gouttes. Perspective pour semaine prochaine, population haïtienne a annoncé à continuer mobiliser contre kidnapping et insécurité hein, si pendant week-end ça, autorité compétente pas prend décision appropriée pour résoudre le phénomène ça. Moi, c'est Renan Toussaint pour La Voix d'Amérique, depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. Merci, Renan Toussaint. Nous saluons tous les amis Facebook qui suivent nous dans ce moment. Nous avons pris quelques mots au hasard, Lambert Martial et Sonia Dieudonne, et puis Emmanuel Serra. Nous disons merci d'être que nous branchés sur La Voix d'Amérique dans ce moment pour nous suivre le programme. Ça. Rendez-vous info, dernier sortino pour ce maintenant. Ou toujours sous la voie de l'Amérique. Et puis, actualité à Nan, ici aux États-Unis, yon nèg a metouye 8 moun et blessé plusieurs autres avant li touye tête li pendant yon fusillade bien ta hier soir dans yon bureau fédéral express, dans un bureau fédéral express plutôt, tout près à l'aéroport Indianapolis. La. D'après la police, 5 moun te recevoir soin dans l'hôpital, yon pa mi yo trouvé dans yon état grave. Gen de l'autre qui recevoir traitement sous place. Compagnie FedEx l'a dit, parmi moun ki mouri yo, genyen kek employé compagnon qui perdu la vie dans fusillade ça. Et yon l'autre fois encore gen président Joe Biden qui réagit et mandé Congrès pour prendre loi pour empêcher que moun gen accès facile ak zam à feu. Donc c'est yon question qui vient encore en plein cœur actualité ici aux États-Unis, surtout avec fusillade répétée qu'a privé aux États-Unis. Donc président Joe Biden lui mandé, lui dit que Konya nous prier assez, li l'heure pour nous passer à l'action. Et puis dans l'autre point d'actualité ici aux États-Unis, administration américaine a adopté une série sanctions contre Kremlin et quelques jours après président Joe Biden demandé pour le rencontrer avec président russe Vladimir Poutine dans un sommet. Jean-Robert Philippe dit nous analyse espérer que Moscou a bail une réponse kif kif par rapport à sanctions ça que les États-Unis prennent. Nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe. Effectivement, et la Russie n'a pas perdu du temps pour répondre 24 heures après l'administration américaine prend décision pour imposer sanctions contre nouveaux sanctions contre la Russie. Eh bien, monsieur dit, la Russie dit lui-même, l'a imposé sanctions partout et l'a expulsé 10 diplomates américains et dans le pays. Il y a une déclaration même que le ministère des Affaires étrangères russe a fait sortir. Eh bien, il déclarait que le président Biden n'a pas à comprendre la nouvelle réalité géopolitique, ça n'a pas de place encore pour dictateur unilatéral. Nous avons cité exactement la déclaration du ministre des Affaires étrangères russe, monsieur russe. Il y a une autre sanction que je dis que je prends tout. Par exemple, je dis que il y a une sanction sur 8 employés du département d'État actuel ou bien ancien pour mettre des points de pied dans la Russie. Et il fait qu'on ait l'administration qu'on ait posé sans lit, mettez-le dans le divin, sinon il y a pris plus de sanctions toujours contre eux-mêmes. L'administration américaine impose des sanctions sévères sur l'économie russe là, puni Kremlin pour campagne cybernétique solaire contre États-Unis avec effort pour influencer les résultats de l'élection présidentielle 2021. L'administration a adopté Mésisario. Dans le même moment, le président Joe Biden a demandé pour rencontrer le président russe là, Vladimir Poutine, dans un sommet à Nessa, dans un pays européen. Une demande qui était faite pendant une conversation téléphonique, l'idée américaine était gagnée avec l'idée russe là. Where there's an interest in the United States to work with Russia? We should and we will. Russia seeks to violate. President Biden déclaré n'a travaillé avec la Russie côté gagner un intérêt pour États-Unis. Les Russes cherchent menacer intérêt nous, n'a pas lieu réponse. N'a toujours campé ferme pour défendre pays nous, institutions nous, peuple américain et pays amis nous.
États-Unis expulsé tout 10 diplomates russes, sanctionné 32 entités avec monde pour soi-disant implication yo pour influencer résultat élection présidentielle novembre 2021 pour aider ancien président Donald Trump. Administration a annoncé tout, livre gain une relation stable avec la Russie. We'll see again this calibration and mix of both the confrontation and trying to create incentive for that engagement. Andrea Kendall Taylor qui travaille dans Center for a New American Security parle pour dit nous pral observer une autre fois encore situation ça avec un mélange confrontation en même temps et c'est créer un encouragement pour rencontre ça dans domaine qui important pour Moscou. Par exemple, stabilité, dialogue stratégique avec États-Unis. C'est un bagage Poutine bat importance le fait que l'y inclut pour le chita bon tabla pour parler de Afghanistan avec Iran. Moi, crois que l'en essaye mélanger deux approches ça yo ou capable essayer mettre quelques séparateurs dans relation ça. Pour la première fois, Washington rend Moscou responsable attaque cybernétique solaire là que agence fédérale avec compagnie américaine yo te découvert en décembre 2020. There are some backdoors or some vulnerabilities that haven't been plugged up from the SolarWinds attack, and if Russia were to exploit those, Nina Jankovic, cap travail dans Wilson Center et qui t'ai parlé avec la voix de l'Amérique sur Skype, déclaré que quelques soucis qui montraient des vulnérabilités qui pas connectées avec attaque solaire là. Si la Russie t'a gagné pour exploiter vulnérabilité ça y est, moins quoi. Nous sommes capables de continuer à cibler l'agence de renseignement russe avec plusieurs personnalités du gouvernement russe, avec la famille, qui sont des choses, en plus d'experts sanctions à encourager. Sanctions passées, pas de faire Moscou prendre une autre direction. Fois ça, le président Biden, qui voulait gagner un résultat, augmenter la pression, interdit les institutions financières américaines de faire transaction avec la monnaie banque centrale russe, qui est le rouble, ou bien bon souverain sur le marché primaire. La Maison Blanche par écarté possibilité pour l'interdit commerce sur marché secondaire à tout si nécessaire. Banque américaine yo interdit acheter bon qui pas allié avec bon souverain russe là depuis 2019. This means the vast majority or over 80% of Russia's sovereign debt. Pour la Maison Blanche là, ça veut dire régime sanction monté imposé yo pas affecté gros majorité soit 80% dette souverain russe là. Parti dans rouble là qui pote non. Jeudi, nous prenons décision pour nous entrer dans l'espace ça, qui ban nous option maximum pour nous avancer pour plus devant. Le gouvernement russe a rejeté l'accusation ça. Подобное агрессивное поведение, безусловно. Such aggressive. Le ministre des Affaires étrangères russe, Maria Sakharova, parle pour dire comportement agressif ça, sûrement a besoin d'une réponse ferme. L'inévitable a besoin d'une réponse sous sanction. Sanctions ça y est arrivé dans un moment là aussi a augmenté présence militaire sur frontière pays à partager avec l'Ukraine. Côté un conflit entre soldats gouvernement avec rebelles qui est support la Russie entrer dans septième année. Sanctions ont pour objectif tout punir Moscou qui t'a semblé offrir prime sous tête soldats États-Unis à personnel coalition militaire en Afghanistan. Pour plusieurs millions d'Américains qui déjà entrés dans l'âge, monde pas eu à venir. Science et technologie avec Serge Rodriguez. Pour plusieurs millions d'Américains qui déjà entrés dans l'âge, monde pas eu à venir réduit dans la dimension qu'ils ont habité dans l'année qui s'est passée parce qu'ils sont spécialement vulnérables en face pandémie coronavirus. Là. Mike Linver, c'est un professeur université. This was our world. This has been our world for a year. C'était monde pas nous, ça. C'était situation pas nous pendant toute une année. Depuis pandémie, on a été premier éclaté ici aux États-Unis, dans le mois de mars, année 2021, M. Linver a pris une décision pour placer tête ligne en isolement total capital. Lui-même avec Madame Lee, gagne plus de 70 ans, et en plus de ça, il souffrit avec maladie asthme, ça y les maladies oppression dans le pays de la Caille. Qui donc, pour couper si là, risque pour trapper maladie COVID-19 là, dépasser virales avec vie solitude, de tape mené. Professeur Mike Linver encore. We did not leave the house except once or twice a day for a walk. Nous pas quitté la caille nous excepté une ou deux fois par jour pour aller faire un petit marché. Et là nous t'al fait ça, nous j'ai toujours un masque dans figu nous et nous pas aller plus loin parce que quartier côté nous habiter. Coupe ça pas même essayer faire une exception pour aller la caille un petit fils qui habitait par notre bord arrière. Petit finnois habité sur une distance 50 pieds. Et ça, c'est pratiquement par l'autre bord de la rivière. C'est comme si cette distance-là était dépassée 20 000 km.
Kounia, professeur Linver, pas qu'attendre pour aller dîner en famille pour la première fois depuis plus passé une année. C'est parce que les recevoir toutes les doses vaccins contre le coronavirus là et Madame Missou Bopali a pris tant d'opportunités pour prendre le deuxième vaccin. That is our big outing, our coming out party, so to speak. C'est première grand sortie, non, pour nous dire bagarre là comme ça. L'autre petite finnoise a vivre dans l'État New Jersey lui-même. Nous planifier pour prendre train encore pour Nalwell. Nous habitués à monter dans le train deux fois par mois pour aller rendre visite dans New Jersey parce que les gens deux petits gens sous bras. Edouard et Maris Kéjero trouvaient dans le même pimpin plat. Petit garçon va vivre tout prière, mais ils n'ont pas de chance pour balayer un petit accolade pendant plus de une année. Maris Kéjero. I think having our son here and daughter-in-law here for a year and a half living in this area and les petits garçons avec belle fille à vivre tout prière pendant une année et demie sans possibilité pour bailler un petit accolade ou bien royaux, mais tu as choisi de te séparer avec nous. Voilà, c'était Science et Technologie avec Serge Rodriguez. Si c'est là, nous mettons fin dans le programme d'après-midi. Moi, c'est Jacqueline Bézère. Bon week-end tout le monde. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou ak patience ou. Moi pour aller m'a quitté ton bras papa monje parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Moi t'es content passer moment ça ensemble avec ou non pas monsieur Foucault. Bonjour bonsoir tout le monde n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. M'ramasser paquet moi cause habitant pas miser la ville. M'praler mais m'a quitté ton bras papa monje parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.